Apparaît dans l'écran aujourd'hui, c'est que nous avons une grande annonce à vous faire. Il y a des changements qui s'en viennent sur le podcast entre elle et lui. Donc, aujourd'hui marque officiellement le cinquantième épisode que Frank et moi allons publier ensemble, mais ça marque aussi la fin d'une collaboration. Donc, Frank a décidé de quitter le podcast. Il a eu des opportunités qu'il n'a pas pu refuser. Le tout s'est fait extrêmement rapidement, euh, du pourquoi on fait l'annonce de cette façon-là. Alors, alors, euh, je vous laisse sur un petit mot de Frank, puis je vous reviens après pour vous euh, annoncer les changements qui s'en viennent. Hey, coucou mes minous! Comme vous savez, c'est la fin d'un chapitre. Je tourne la page. Et oui, il y a des nouvelles aventures euh, qui attendent votre Draper. Je voulais vous dire le plus grand merci pour cette euh, aventure extraordinaire. Et voilà. Un gros shout -out à tous ceux qui ont participé de loin ou de proche à ce projet qui est une réussite. Draper euh, y est rendu à Paris. Il y a des nouvelles aventures. Son sont stationes parce que c'est pas terminé. Merci à tout le monde d'avoir été là. Je vous aime du plus profond de mon cœur. À mon tour de te remercier, Frank, pour cette aventure et tout ce qu'on a bâti ensemble pour la saison 1 du podcast entre elle et lui. Je suis certaine qu'il y a des gens qui vont être extrêmement déçus de le voir quitter, mais la gang, il y a tellement de belles choses qui s'en viennent. Je reprends le podcast. Il va y avoir du changement euh, tant au niveau du concept qu'au niveau de la co-animation. J'ai déjà trouvé mon co-animateur. Je suis vraiment excitée, motivée. J'ai vraiment hâte de vous l'annoncer. Donc, continuez nous suivre sur les réseaux sociaux pour euh, éventuellement apprendre qui est ce mystérieux euh, nouveau co-animateur. Si tout va bien, je me garde une réserve, là, mais si tout va bien, on devrait dès le 6 mai recommencer à publier. On prend une petit, un petit mois de pause pour retomber sur nos pieds avant la saison 2. Mais je vous le dis, là, ça va être Fire, les invités qui vont être là, les sujets, le concept, vous ne voulez pas manquer ça. Alors j'espère que euh, malgré le départ de Frank, vous allez euh, rester en euh, grand nombre à euh, vous écouter. Euh, ça a été vraiment un succès, ce podcast-là, et euh, bien évidemment que j'espère je, je, que ça va continuer d'être un, un beau succès. Alors, je vous souhaite une belle dernière écoute des co-animateurs ensemble. Je remercie Salvatore euh, de continuer de nous supporter. Euh, vous le savez, elle est lui 15 pour 15% de rabais, puis euh, on se voit très, très bientôt. Bye! Hey! Welcome back, mes petits minous! Aujourd'hui, je suis seul avec la co-animatrice la plus délicieuse au Québec, Anne Marais. Comment tu vas? <laughs> <nom? rire> hey, au vrai, là, les gens me, me parlent tout le temps de comment tu me dis jamais mon vrai nom. Ouais, les gens sont comme... Y, y J'ai vu des TikToks, des gens de, qui font des TikToks qui sont comme... Je sais pas c'est quoi le nom de la fille. <rire> <rire> Tellement que tu me débaptises à chaque fois. Ah, ben là, avec... Anne Maurice, Anne Marais... Pourquoi, Marais? On explique-tu pourquoi tu m'appelles Anne-Marais? Parce qu'on est allé en France, puis Anne-Marais nous a donné... Euh, un, ben on était à Paris. Ouais. Ils ont donné une adresse, qu'il fallait aller, aller la rejoindre. Puis j'étais avec Siffleux, mon euh, fidèle euh, accompagnateur. C'est ça? Euh, puis là, c'était dans le quartier Le Marais. Dans, dans le quartier Marais ou Le Marais? Puis le Marais. Puis ouais. là, euh, Siffleux dit, bon, ben on va rejoindre Anne-Marais. <laughs> puis ça m'a tellement fait rire que je me suis dit, ben, ça a l'air de son nouveau nom. Elle m'arrête. Ouais, voilà. Je pense qu'il faut comme connaître un peu Siffleux puis sa personnalité et son style pour comprendre que quand c'est sorti de sa bouche, c'est sûr que c'était vraiment drôle. Oui, oui, oui. C'est un vrai Parisien en plus. Fait comme un vrai de vrai. F... Oui, c'est ça. Le fait qu'il... Il savait pas c'était quoi une noun. Non, il savait pas c'était quoi. Une noun? C'est quoi une <laughs> noun? <laughs> On est allé en manger des noun. Hein? Ben, en pâtisserie, là. Ah oui, OK. À la caquetterie genre là-bas dans le poterie, genre ils font des battes. Je avais tu parlé Oui, ben t'es parti de l'événement où est-ce qu'on était pour aller faire ça Ah, mais j'ai pas mangé de vrai nune par exemple. J'ai pas mangé de nune française. Non. Ah, je sais pas, Il, je sais pas comment ils goûtent les nunes françaises. Ça goûte quoi ce fleu Euh <laughs> Probablement la même chose qu'au Québec. Hein? T'as déjà goûté une nune québécoise <rire> <rire> semble-t-il que ça goûterait sensiblement à la même chose même si c'est jamais goûté un une québécoise. Ça que les Nunes québécois québécoises goûtent des fois à poutine. De la petite sauce, ok. Aujourd'hui, on a un euh, segment, non pas un segment, un sujet. La, la porno, on va parler de porno. Anne-Marie, elle a fait beaucoup de recherches là-dessus, fait qu'elle va pouvoir m'éduquer à travers euh, ça. Tu sais, je suis pas le plus gros consommateur de porno, mais euh, on va pouvoir. Euh, Vas-y, on écoute. Ouais, ben c'est ça. En fait, euh, quand on, on s'est posé la question euh, de quoi on parle sur Patreon aujourd'hui, plus le Frank lui a parlé des jouets sexuels pour les hommes, j'étais comme à part vous montrer dix euh, sortes de masturbateurs de prostate puis de masturbateurs euh, masturbateurs en cylindre en cylindre là. ça va être ça va être tout. Ouais. fait que là je me suis dit de quoi on peut parler puis euh, cette semaine j'ai été invitée sur le podcast de Phil Roy euh, qui est diffusé à Rouge FM ça s'appelle un peu beaucoup passionnément puis le concept du podcast c'est qu'il invite toujours une personne qui connaît un sujet un peu il y a une personne qui connaît beaucoup puis une personne qui connaît passionnément puis c'est sur la pornographie puis là j'étais comme il pense-tu que je consomme de la pornographie passionnément tout <laughs> quel euh, j'étais passionnément un... ok ouais euh... je suis passionnément de la porn ouais mais c'est ça là j'étais comme est-ce que vous m'invitez parce que non je fais des blagues non non c'est juste parce que j'ai une expertise dans le sujet et euh, moi quand je suis invitée à quelque part euh, pour un sujet j'ai j'ai comme une, euh, Je deviens obsédée avec le sujet. Puis, c'est parce que j'ai tellement peur qu'on me pose des questions auxquelles je n'ai pas les réponses. Puis, tu sais, ça, ça arrive. Là, je veux dire, je ne suis pas une encyclopédie. Là. Mm -hmm. Mais euh, j'ai 45 pages de notes. Euh, <laughs> que j'ai pris pour le podcast. Fait que. Je me suis dit, pourquoi pas euh, capitaliser, rentabiliser mon temps que j'ai mis là-dessus. C'est parce que vous n'avez quasiment pas parlé de porno pendant ce ben, podcast-là. On en a parlé, mais on était quatre autour de la table. Euh, J'étais avec des humoristes, puis il y avait tous des segments, eux autres, qui avaient écrit en lien avec la porno, qui était d'ailleurs là, J'ai rarement rien de même dans la vie, là. Okay. Euh, Mais c'est sûr que, tu sais, puis ils aussi apprendre à me connaître, c'est un peu comme qu'est-ce que je fais, qui je suis. Fait que c'est sûr que ça coupe du temps pour l'information. Mm -hmm. De la porno. Fait que, mettons que sur 45 pages, on a peut-être utilisé deux. Là. OK. Bon, ben. Mais on a 43 pages. Ouais, <laughs> c'est ça. Fait que, euh, je voulais. J voulais euh, en fait, à chaque année, euh, Pornhub, qui est genre le site le plus euh, visité là, avec X vidéos euh, de pornographie, euh, à chaque année, ils font un espèce de bilan. De l'année. Ils font ça depuis dix ans maintenant. Puis c'est vraiment, euh, si vous allez voir, là, les, les Blancs, c'est vraiment bien fait. Ils, ils sortent du data euh, pour voir c'est quoi les tendances, combien de temps les gens restent sur le site, qui visite le site, selon les pays, euh, les, les, les tendances. Puis aussi, tu comme, mettons les Canadiens, combien de temps ils restent versus genre, euh, je sais pas trop moi, les, les gens en Russie. Euh, combien de oh, temps il ouais. reste sur le site? Oui, c'est vraiment précis. Euh... Ça, c'est disponible au public? C'est disponible au public. OK. Ouais, c'est comme un gros classique. Là. Ils font ça vraiment chaque année, puis c'est vraiment intéressant. Fait que, euh, quand tu vas sur la page, euh, bon, ils font les tendances ayant défini 2023. OK, mais attends, avant, là, je veux savoir, hmm. c'est quoi, toutes ces habitudes de consommation de porno? Par rapport à la fréquence ou c'est -ce quoi, je ferais. Ben, ouais, toutes. <laughs> je vois en moyenne ben, ça varie là comme là en ce moment je me crosse pas bien parce que j'ai pas le temps mais <laughs> deux trois fois par semaine ok puis à chaque fois que tu te masturbes est-ce que tu consommes de la porno non pas à chaque fois quand tu en consommes pas tu penses-tu à des choses en particulier ouais tu penses-tu à tu penses à quoi à, à du monde que j'ai déjà vu ou okay. que j'aimerais mettons mais pas, pas, pas de la fiction genre pas une fille que je connais pas ou je m'invente pas un scénario ben oui c'est un scénario mais avec du, du monde que je pourrais potentiellement voir ou fréquenter mettons mais pas je vais pas mettons m'imaginer avec euh, je sais pas Jennifer Lopez genre. ouais non non c'est ça ok je reste en réalité plus ok ce qui pourrait peut-être se passer genre. genre être accessible ouais Okay. Puis, euh, au niveau de, t'es-tu à l'aise de nous dire ce que dans ta barre de recherche? Ben normal. Une... Qu'est-ce qui est normal? Feuille chaude. filles chaude. Je pense que c'est les, les deux mots que je t'entends le plus dire à vie. Feuille chaude. Feuille chaude. Ouais, ça se peut. <laughs> <laughs> non mais Chris, on est des gros mâles, moi puis les boys là, Fac, euh... Des gros mâles. C'est vrai? Hein? On est des mâles... Euh... On est des gros mâles, tu sais. On est respectables, tout. C'est quoi, c'est un gros mâle? Ben, c'est nous autres. Ok. Fait que, <laughs> <laughs> ouais, fille chaude, euh, mais genre, ben normal, là, je suis pas. T'es-tu pas... dans, des, dans des scénarios hétéro? T'es-tu dans des scénarios. Hétéro, ben flush, ben. Pénétration style, là. Ouais, ouais, ouais. Ok. Call, 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 girl. Ok. J'aime bien ça. Ok. Mais genre, je je suis pas le gars qui va écouter le scénario complet là, moi. Je vois là où, -ce que ça, où -ce que ça me branche. là. Ok. Puis c'est quoi là où ça te branche? Car girl. OK. Quand elle, elle vient ou quand lui il vient? Ah, je veux pas voir lui vraiment. Là. Je veux <laughs> voir la fille chaude. OK. okay. Déjà, je trouve ça intéressant parce qu'on a vraiment une perception différente. Euh, tu sais, es comme Arc, moi je veux pas le voir euh, je veux pas le voir lui. Euh, mettons de mon côté, moi j'ai des passes. La porno, c'est comme. Je avoir une passe que je vais en regarder plus. Il y a des pauses que je peux passer des mois sans en regarder. Euh, puis euh, souvent, je vais regarder, il faut que ça l'inclue. Moi, des, 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 des. En fait, moi, des filles qui se font pénétrer, jamais je regarde ça. Ah oh oui? Jamais. Pourtant, c'est tellement nice. Ben, je pense que c'est parce que tu te vois comme l'acteur principal, peut-être. Moi, je me vois comme l'actrice principale. Puis, oh. mettons que me faire pénétrer, c'est pas nécessairement ce que je préfère. Le plus Par fait. un huge cock. Genre. <laughs> Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, bon. joke que euh, tu veux pas vraiment attendre. Ouais. <laughs> euh, fait que, d'ailleurs, je sais pas pourquoi je t'ai demandé la question, qu'est-ce que tu veux dire? Euh, parce que je veux pas le savoir. Mais euh, tu sais. <laughs> oui, je sais. Oui, je sais. Fait que, mais c'est ça, Puis moi, je, je, faut que ça En fait, je vais souvent regarder la porn, la porn lesbienne. Oh, ouais. Ouais. Ouais, ça, c'est vrai que. Ouais. ouais, continue. Très populaire auprès des femmes, c'est la catégorie la plus recherchée par les femmes. Pourquoi? Parce que euh, on est, la porno c'est vraiment dans du male gaze. Le male gaze c'est le, le c'est le regard masculin qui est porté sur. Donc on veut plaire à l'homme qui consomme la pornographie et ce qui plaît à l'homme ne plaît pas toujours nécessairement à la femme. Puis moi quand je regarde une femme se faire pénétrer puis qu'elle hurle puis que moi je suis comme ouais c'est le fun mais comme vraiment ça. Mais, you know. Fait, euh, moi, ça va être plus d'être. Je me, je, me, je, me, je me mets dans la position de la personne qui reçoit le plaisir. Donc, c'est pas dans la pénétration. Fait que souvent, dans des scénarios où est -ce il y a deux femmes, il va y avoir plus de stimulation orale, il va y avoir plus de stimulation manuelle, il va y avoir plus de sensualité. Donc, c'est plus facile pour moi autant de me voir dans le, le, le rôle de la personne qui donne que dans le rôle de la personne qui reçoit. Fait que pour moi, ça, c'est comme le, le ultime scénario. Euh, okay. euh, Ouais. Ah, Je comprends. Puis, c'est quoi tes. Tu te dis un peu. C'est quoi tes vraies fréquences? Mettons une semaine. Oh my God. Même pas une fois par semaine. Là. Que tu te crosses avec de la porn ou que tu te crosses du cours? Non, euh, me ça, c'est régulièrement. Euh, si c'est pas tous les jours, c'est presque à tous les jours. Mais de la porno, j'ai vraiment des passes. C'est vraiment comme il y a des fois, ça va être deux fois semaine, trois fois semaine. Ouais, je sais pas. Ça fait longtemps que c'est pas arrivé, ça. Des fois, ça va être une fois par mois. Des fois, c'est okay. pas tout C'est vraiment, ça y va par vague OK. Ouais. Intéressant. Si je plus, mon, mon désir sexuel est plus haut pendant une période, là, je vais en consommer peut-être un petit peu plus. Ouais, ouais, ouais. Puis tu te plus quand t'as une fréquentation ou un chum ou moins Ça change rien. Ça change rien Non. OK. Toi C'est. Mettons que je fréquente quelqu'un puis que je la vois pas souvent, je vais peut-être plus me crosser que quand je vois pas personne. Parce que je suis comme plus stimulé. Mm -hmm. Puis là, mettons, que je la vois deux, trois jours, là, Chris, let's go. Euh, tu sais, c'est bras rue d'un brancard, <laughs> comme vu que je suis un gros ball. Mais après ça, quand ça s'en va, ben là, si moi, je suis encore bien bandé, tu sais, tu me connais. Fait que. Ça, ça, T'es es, es sur continue, ta continue, fin, là. Continue, ben non, on continue de party. Oui oui Seul. mais c'est ça mais t'es sur ta faim tu as tu es sur ta faim ah, sur fin, ta oui. fin, là c'est comme en à faim là tu sais okay, oui oui Ouais non FIM. Ouais ouais ouais. FIM. m moi. Ouais. Ouais. <laughs> ouais ouais 100%. OK mais ben, ça fait du sens parce que tu sais l'appétit vient en mangeant un peu tu sais c'est sûr que si ton corps a des associations positives avec toutes ces stimulations là etc., là ton corps va avoir envie d'en avoir plus. Quand tu dis en mangeant c'est de manger des nouns Pas nécessairement. Hmm. C'était une métaphore. T'sais. OK c'est parce que moi quand tu me tu me parles Bref. de porno puis de mangage <laughs> Ça me parle. Je comprends. Je comprends. Fait que, euh, si j'en viens à mes tendances Pornhub, euh, je, 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 quelle quel, quel est la, la tendance, ils ont classé ça, mettons, je fais le top 5. Là. Euh, tendance numéro un présentement au, au, au niveau euh, global, mondial? Chez les hommes, chez les femmes ou. Toutes catégories confondues. Et être humain confondu. Je sais que j'ai déjà entendu que c'était pas ce que je pensais, c'était pas fille chaude, ce que je <laughs> m'attendais à ce que ça soit. Ouais, non. Ça se peut-tu que ça soit. Hey. Hey. Les personnes un peu plus rondes. Donc, présentement, au niveau mondial, il y a beaucoup, beaucoup de recherches dans tout ce qui est Golden Age. Je t'ai fait une traduction, l'âge d'or. <laughs> ouais. Mais Donc, bien, oh les recherches pour adultes matures ont augmenté de 77 dans euh, la dernière année, c'est devenu la deuxième catégorie la plus populaire parmi les hommes. Euh, et c'est mené par les cougars matures. Mais, mat mettons, ceux qui sont les, dans la vidéo, à laquelle âge, à peu près, à la fille? Ben là, ça. Bon, euh, 40, 70? Pose ta, tu poses ta question, mais attends, je vais aller sur le site de, de Pornhub. Je veux juste être sûre. Euh, ouais, c'est ça. Fait que, ce que je disais, c'est que euh, c'est mené par Mature Cougar. Mature Cougar. Cougar, mon anglais est perfect. Euh, mais j'ai pas d'âge pour toi. Euh, toutefois, ce que je peux te dire, c'est que euh, le mot MILF est le deuxième mot, le deuxième terme au niveau mondial, le plus recherché. Alors que euh, le terme DILF, euh, incluant euh, DILF musclé, a augmenté de 71 dans la dernière année. Ça fait que ce ne sont pas juste les hommes non plus qui, qui cherchent davantage des Cougars. Hein? Des deux, les des deux bords. Les deux Ça explique à, à quoi ça, une autant forte augmentation en... Un an. Ça, je, pour vrai, j'ai vraiment de la difficulté à l'expliquer. Puis il y a même le mot granny. Granny, ça veut dire grand-mère. Ça, là, ça a augmenté de 132 dans la dernière année. Puis tu GILF, qui est Grandmother, I would like to. Euh, 168 Et? Puis il y a même Sexy Granny, puis Hot GILF. Qui sont recherchés, là, dans qui sont vraiment trending en ce moment. Là. Ça, c'est le trend numéro un qu'ils sont... qu voient en ce moment sur. Ben, tu sais, ça, mettons Cougar, pour répondre à la question de l'âge, je pense que Cougar, c'est plus 40, 50. Puis là, Guilf, tu sais, on peut vraiment s'imaginer que c'est une grand-mère, là. Ouais, mais ben, d'après moi, Cougar, c'est plus dans la cinquantaine. Tu sais, je veux dire, t'es pas une Cougar à 40 ans, tabernacle, là. Ouais, c'est vrai. Genre, genre, t'es fossile, toi, là. là. Tu sais, ça veut dire quoi? Dans moi, dans 5 ans, je suis une Cougar, genre? Ben. Non. Non, 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 non. Ça se passe pas de même. Christ. Deuxième tendance. Fait que là, ça, c'était la deuxième? Ça, c'était la tendance numéro un, okay. le Golden Age. Là, ça, c'était okay, comme okay. ça l'englobait les chiffres dans le Golden Age. La deuxième tendance qu'ils voit en ce moment, c'est la tendance supersize. Size. Ah, j'étais pas loin de ma réponse, hein? Donc, les termes big, donc gros, bigger, encore plus gros, puis biggest, genre le plus gros, euh, ça a grandi de 177 euh, On a les recherches huge tits. Tu comprends-tu hein, mon anglais? Oh, « huge tits, c'est les, les gros seins. Huge cock, gros pénis, puis huge dildo ont augmenté de 67 Tu as même des mots comme massive c'est genre massif euh, ouais. qui ont augmenté également et euh, ouais c'est pas mal ça je te dirais euh, au niveau ça a du vraiment créé un tu sais je pense à l'industrie du de la pointe ça a vraiment dû tout changer là en voulant dire comme tu es habitué de je sais pas de faire des filles chaudes puis là tu vois que c'est des grands mères qui pognent. Où tout change là qu'est-ce que tu veux dire ben les producteurs tu réalises des films. Ah, ouais. C'est plus la trend, c'est plus chaud, mettons. C'était peut-être pas ça avant non plus. Ce serait intéressant de savoir, moi, selon moi, toi, selon toi, ce que tu consommes, c'est où dans la liste. Mais ça change l'industrie. Si ça change, avec 136 de, de variation en dedans d'un as, c'est fucky. Ouais, puis, tu sais, honnêtement, comme j'essaie vraiment d'expliquer le phénomène. Tu sais, c'est quoi qui explique ce phénomène-là? J'en ai parlé sur TikTok, puis il y a des gens qui m'ont commenté Ah, ben, c'est parce que la population est vieillissante. Je veux bien, là, mais comme. Ça serait-tu logique que ce soit larvé d'OnlyFan? Puis tous ceux qui consomment du OnlyFan, tu sais, sur OnlyFan, il y en a toutes les sortes, je pense, mais il y a surtout des filles chaudes. De, de, de ce que je pense, fait que le monde va consommer ça sur OnlyFans t'sais, ça a vraiment apporté euh, ça a un dur coup à l'industrie du porno mais ce qui est un peu plus euh, niché comme ce que tu viens de dire est plus consommable là-dessus ah peut-être ça que, peut faire du sens ouais. parce que c'est dans les dernières années vraiment récentes que OnlyFans a pris une, une, bonne, une bonne tangente, fait que peut-être que le monde sont retirés de là, et consomme OnlyFans c'est de quoi j'ai des faits intéressants sur OnlyFans d'ailleurs, parce que je pense que c'est une bonne parenthèse que tu ouvres. Euh, ben, je pense que ça pourrait expliquer, je pense que peut-être l'âge moyen des créateurs de contenu ou des créatrices de contenu sur OnlyFans est plus jeune. On n'est pas dans le Cougar nécessairement. Il y en a, là, mais on n'est peut-être pas là dans l'âge moyen. C'est ça, vu que c'est comme une nouvelle technologie, OnlyFans, c'est plus utilisé par les jeunes. Fait que c'est plus les jeunes puis les filles chaudes qui vont là-dessus que les Cougars, eux autres, ils savent pas comment se partir en OnlyFans. Fait ils se font produire, sûrement <laughs> plus. Ben écoute, si les Cougars se ramassent sur Pornhub, ils doivent avoir quand même une petite idée de comment ça fonctionne. OnlyFans, c'est quand même. Ouais. Euh, ouais. Mais je sais pas. c'est Peut-être, justement, le fait que c'est plus niché, peut-être qu'on retrouve moins de contenu comme ça sur euh, des plateformes comme OnlyFans. Fait qu'on va les chercher sur ce genre de plateforme. Je sais pas. Faudrait, honnêtement, il faudrait que j'approfondisse mes recherches là-dessus parce que. Tu sais, mettons les autres, je suis capable de les expliquer. Tu sais, le super size, ça, euh, si on est d'un standard de beauté, je veux dire, les gros pénis, les gros totons, euh, les gros singes, je m'excuse. c'est euh, les grosses fesses, etc. T'sais, c est, c est, dans les dernières années, d'un standard de beauté, ça a quand même pris de l'ampleur. on mm -hmm. est capable de l'expliquer comme ça. Euh, je vais revenir à OnlyFans après, mais je veux finir mon top 5, OK? Euh, Sex Machine est le troisième. Le, la tendance, mais. C'est quoi sex machine? Les robots, les robots sexuels, euh, tout qu ce qui est 3D, euh, tout qu est ce qui est euh, la technologie que tu peux amener. Tu y a des. Il y a des. Y a des, y a des euh des machines sexuelles, tu sais, mettons un dildo qui, qui fonctionne par lui-même, qui fait du va-et-vient. Tu as, as des. T'aimerais-tu essayer ça, tout es faire par un... Mm. Bam, bam, un marteau piqueur avec non. un ne pas au... non. non. Mais, tu sais, moi, je suis allée là, dans des conférences, pas dans des conférences, mais des conventions de jouets sexuels. Je suis allée en Allemagne, je suis allée aux, aux States. Puis, euh, tu sais, je le voyais là, que la technologie est vraiment en train d'évoluer solide. Euh, Puis, cette technologie-là permet à certaines personnes de combler des besoins qui combleraient peut-être pas avec des êtres humains. Ouais. le danger avec ça c'est que euh, toi au lieu de euh, d'entretenir une relation avec un autre être humain puis développer ton intelligence émotionnelle puis développer des capacités à communiquer, communiquer puis etc ben tu vas comme te tourner vers les robots sexuels qui vont juste comme être soumis un peu à, à tes mmh. demandes euh, fait que ça ça peut aussi jouer sur ta notion du consentement quand tu arrives avec, avec un vrai être humain il y a comme un petit danger ouais, autour de ça c'est vrai puis, est-ce que les dans ton top 5, c'est peut-être ça, mais ça fait pas partie des hentai, les cartoons, puis tout. Ça, ça doit fait être En Fait que là c'était la catégorie la plus recherchée l'année passée. Oh, ouais, OK, ça choque. C'est ouais. okay. encore super populaire, c'est ouais, parmi ouais. les plus populaires, je te dirais. Là. Moi, j'ai vraiment de la difficulté à comprendre ça. C'est tellement pas quelque chose qui m'attire, mais. Je sais pas en fait, faudrait aller voir qu'est-ce que les gens aiment dans ce, ce, cette fiction là. -ce je consommé une fois juste pour voir. Jamais. Ouais, moi non plus. Je sais pas si c'est comme euh, un peu hors réalité ou ce que tu sais vu que c'est des comiques, peut-être que tu peux mais en même temps non là. J'allais dire tu sais c'est peut-être un peu plus euh, sauvage, un peu plus irrespectueux puis tu sais il y a du monde qui aime ça mais il y en a des vidéos là où ce que la fille ou le gars euh ça fait vraiment dominer puis un gros manque de respect, ça existe aussi dans le vrai, tu sais. Ouais, c'est oh. ça, fait que je sais pas qu'est-ce qu'ils vont chercher dans la taille, qui vont pas cher qu y a de plus ou de différent dans que des êtres humains. Ouais. Je, je, ça je peux l'esprit si jamais il y a des gens dans les dans, qui nous regardent ou whatever là, je sais pas, on est sur quelle caméra en ce moment. Mais On a eu un petit problème technique, mes chums. On vous revient. Euh, on parlait des hand um des, 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 des comics, des cartoons. anne maurice s'est allée voir. Anne-Marie, excusez-moi. Petit lapsus, tu sais. Ben oui, c'est comme ça que... Hein? Ouais. On se reprend. On voulait. Euh, alors en fait, elle vous revient avec le pourquoi le monde consomme ça? C'est-tu des gamers? C'est des, des, qui qui consomme ça? C'est quoi Je te dirais que c'est les Japonais en majorité. Okay? C'est ce, ce que les. Ah, oh, c'est populaire parce qu'ils sont tellement à se crasser là-dessus. Sur sont beaucoup les japonais. Oui, mais c'est aussi euh, mondial, là, dans le sens que c'est okay. pas pour rien que c'était la, la, la catégorie la plus recherchée. Puis celle-là encore, c'est dans les thèmes les plus recherchés, les lesbiennes, hentai, puis comme je t'ai dit, MILF. Euh, L'affaire, c'est que euh, de ce que j'ai ce lu, c'est que c'est vraiment un monde où tout est possible. Il euh, y a des gens qui soulèvent quelques problèmes, toutefois, c'est que dans les hentai, les, 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 les personnages féminins ont l'air très jeunes. Okay. Donc, on est toujours dans la jeune femme fertile, qui a des attributs que on voudrait peut-être euh, associer à des... À des qu'on qu associe à des standards de beauté. Mmh. Euh, ça a l'air que les organes génitaux, euh, ça peut être très graphique dans le hentai. Euh, ça a l'air ça peut devenir super addictif. Encore une fois, je ne comprends pas, je le juge pas, mais je ne le comprends pas. Euh, juste... En fait, moi, en général, je n'ai jamais été attirée par les petits bonhommes là, à la télévision. Wow. Là. Donc, euh, mais je pense que c'est le, le caractère euh, où tout est permis. C'est comme on vit, euh, on vit ça par, euh, par procuration. Dans on... un autre univers. Oui. Un peu comme les gamers qui, leur vie, deviennent une vie parallèle. Leur vraie vie, c'est la vie parallèle, puis leur vraie vie, c'est le bonhomme qui joue. C'est ça. J'avais écouté Alexandre Taillefer, son fils, c'est un gamer, puis il s'est suicidé à l'âge de 10 ans. Puis c'est ça qui expliquait un peu, tu il avait fait un gros reportage sur ça puis mm -hmm. sur les gamers puis comme qu'est-ce que ça transformation mentale que ça fait puis il disait tu sais quand, quand quand mon fils est dans ou un gamer est dans vrai ben pas tous les gamers là mais certains sont dans vraie vie, ils sentent pas outillés, ils sentent pas à l'aise, ils sentent pas bien, mais quand ils sont sur leur ordinateur, ben c'est des super-héros. Ouais. il tuent tout le monde, ils il achètent des armures, des épées, puis là, t'arrives à l'école, puis tu te fais intimider. C'est comme, c'est vraiment un monde parallèle. Puis c'est sûr que c'est bien plus attirant d'être le super-héros que le gars qui se fait intimider à l'école. Ah, clairement, mais c'est ça, mais c'est un univers que tu développes selon. T'es es, es le metteur en scène, mm -hmm. t'es l'acteur principal, tu sais. Fait que c'est toi qui contrôle ton environnement dans un environnement de gaming, tu sais. Exact. Fait que ça te donne énormément de contrôle, ça te donne, ça te donne énormément de pouvoir, ce qui n'est pas nécessairement possible dans la vraie vie. Ouais, ouais. C'est quoi la proportion des, de l'âge, mettons, les, les, les 25 à 35 ans, ce qu'ils consomment plus, sont-ils responsables? Les, les baby boomers, sont-ils plus responsables d'une recherche? Fait que dans le fond, ce qu'ils disent, c'est que euh, les visiteurs âgés de moins de 35 ans sont responsables de 53 des visites mondialement. Au Canada, on tombe à 48 fait Au Canada, euh, les gens en bas de 35 ans, c'est vraiment 48 euh, des visites totales. Hommes-femmes ou juste. On dit, non, dans okay, le fond, okay. euh, je vais y arriver, OK. On dit que les 55 ans et plus aussi, on les qualifie comme les baby boomers, sont très actifs sur ces sites-là également, ce qui pourrait expliquer peut-être justement le visionnement de pornographie plus euh, dans le Golden Age. oui. Ouais, ouais mais je te dirais que euh, au Canada euh, c'est vraiment là on a seulement que 29% de visiteuses de ces sites là mondialement. Okay? au niveau des femmes seulement que 29% de tous les consommateurs de oh, porno. Ouais. Yeah. Puis au Canada, euh, ce sont 71% des hommes qui visitent les sites pornographiques. Fait que tu sais c'est ça, c'est 29% juste des c'est juste 29% des femmes qui visitent les sites. Puis, ça revient à ce que je te disais tantôt, c'est que le modèle qui est représenté n'est pas nécessairement un modèle qui va être attirant pour la femme. Oui, oui, oui. On est dans le male gaze, qu'est-ce que les hommes ils veulent. Euh, tu sais, les femmes qui sont dans la pornographie aussi ne sont pas représentatives de, de nous nécessairement, autant au niveau des standards de beauté qu'au niveau de. Tu je veux dire. Les femmes atteignent peut-être pas l'orgasme aussi facilement. Mm. Ils vont peut-être pas squirter autant. Euh, ils vont peut-être pas apprécier le sexe autant que l'actrice qui est en train de vivre son expérience. Puis tu fais juste. C'est pas relatable. Pas... C'est pas ça qui se passe pour le « gens C'est ça. Mais. C est... C est... C est... Quand même, non. si s'il y a 70 tu sais, je pense au niveau business, j'ai un site porno, c'est 70 de gars qui consomment mon shit. C'est ça je vais donner du stock pour les gars. Mais ouais. existe tu des sites pour les filles qui sont vraiment plus consommés Oui, dans le fond, il euh, y, euh, y a des sites de porno féministes. Encore une fois, il faut quand même faire attention à ça. Puis là, on dit de la porno féministe, là, je sais, ça, on dirait que c'est de la porno pour les femmes, mais les hommes peuvent tout aussi... Euh, aimer de consommer ce genre de porno-là. C'est juste que euh, le travail est plus éthique. Mais là, il faut faire attention parce qu'on ne sait jamais dans un scénario si l'actrice est dans un trafic humain ou si elle est vraiment là de son plein gré. On ne le saura jamais et on n'est pas là dans le studio. Mm -hmm. euh, mais en théorie, dans les, les sites féministes, c'est les sites payants, souvent parce que la porno est plus éthique, les euh, actrices, les acteurs choisissent. Le genre de scénario qu'ils ont envie de réaliser, ils ne font pas imposer des scénarios. Euh, les conditions de travail sont mieux, la rémunération également. Il euh, y a plus de diversité corporelle, on est plus réaliste dans euh, les scénarios également. OK. Donc, oui. Puis il y a la porno audio qui est en montée. Euh, les femmes, un de nos canaux de communication les plus forts, c'est vraiment l'auditif. Le, le, Et. Euh, Puis l'odorat. Le... Hein? Comment? L'odorat aussi. Ouais, mais ça, c'est tout le monde parce que l'odorat, c'est le seul sens qui s'en va direct dans le cerveau okay. qui passe pas à travers un genre de processus. L'odorat, tout le monde réagit fort en général là, à l'odorat. L'odeur du parfum de ta première blonde. Tu le sens, tu Ça s'en va J'ai entendu dans que comme voix. les signes les plus aiguisés des femmes c'était l'audition, puis l'odorat, puis les gars, c'était le toucher, puis le, le, le visuel. visuel. Ouais. C'est pour ça qu'on aime les filles chaudes. Ouais ouais ceci dit c'est quoi qu'on disait Fille chaude. ouais <laughs> euh, euh, oui l'auditif c'est pour ça que je te disais la porno audio c'est vraiment en montée parce que c'est ben, toi encore une fois t'sais, qui va créer ton scénario puis tu sais dans la pornographie euh, mainstream là, régulière il y a beaucoup de manque de respect pour la femme. Il y a beaucoup de scénarios violents qui sont dépourvus de consentement, etc. T'es pas sûr si elle aime ça ou si elle aime pas ça, mettons. Ouais. Mais dans Porno Audio, c'est toi qui le fais ton scénario. Fait c'est. de quoi si, c'est toi qui le fais ton scénario? Dans ta tête, avec les sons que t'entends. Okay, ok, 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 ok. Mais c'est-tu genre juste des Ah! Ou c'est genre je vais des, te dévorer ma cochonne? Ok. Des bruits que tu prends entendre dans, dans un rapport sexuel? Mais il n'y a pas de parler, mettons. Il y a des masturbations guidées. Il y a des histoires érotiques. Il y a de tout, là. Il y a des sons, il y a des, des masturbations guidées, il y a des es -tu histoires... Tu t'es déjà cassé là-dessus, là? Non, jamais, pour être bien franche avec toi, là. Moi, ça me parle pas, pas tout. Mais c'est vraiment la grosse affaire en ce moment. Euh, le monde est trip. Moi, j'en ai dit, j'ai déjà fait, fait des collabs avec euh, des sites de porno audio sur mon Instagram, puis les gens, vraiment, ils adorent ça, Tu sais, moi, j'ai une voix complètement FM parce que je pourrais être un acteur porno audio. Oui. Ah, je suis votre drip, pop ah ouais. Ouais, ouais 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 je à checker ça <laughs> ça serait drôle à entendre euh, hein? un petit sideline euh, oui euh, fait que ouais fait que c'est vraiment monté en ce moment puis tu sais c'est comme tu peux si, si quelqu'un te manque de respect dans ton scénario ben c'est toi qui choisis comment la personne va te manquer de respect tu sais c'est comme c'est vraiment toi qui qui développe ce scénario là puis c'est vraiment bon pour ton imaginaire érotique ton imaginaire érotique c'est un muscle que la porno peut complètement venir ruiné, mmh, on y reviendra là. Mais euh, c'est vraiment bon pour ça puis euh, c'est comme ça ça, ça booste ton ton imaginaire puis ton es... c'est intéressant le manque de respect, tu sais, as fait un euh, certificat en études féministes, mais dans la couchette, t'aimes-tu ça de faire manquer de respect. Ça c'est un euh, sans répondre personnellement à cette question. <laughs> Comment ça? Non? Comme une bonne politicienne, j'avais il euh, y a beaucoup de femmes qui m'ont déjà écrit pour euh, parce que y, y, elles vivent une espèce de un inconfort avec le fait que dans la chambre à coucher elles aiment se faire dominer elles aiment peut-être se faire insulter elles aiment c'est vraiment être dans des scénarios un petit peu plus euh, entre guillemets violents mais elles sont ultra féministes ah ouais, dans la vraie vie okay, ça. ben c'est comme est-ce que je suis encore en train d'être ali alignée avec mes valeurs si je fais ça? Tu sais, je suis -tu supposée être féministe dans toutes les sphères de ma vie si je suis féministe. Tu sais? ouais. Est-ce que euh, je suis en train d'honorer euh, mes principes? Est-ce que je suis en train de me déshonorer? Je suis en train de perdre une partie de mon identité? C'est quoi qui se passe? Tu sais? Mais je pense que dans la chambre à coucher, dans cette sphère-là, c'est important de se laisser aller puis de, de se donner la, des permissions qu'on ne se donne pas ailleurs. Mm c'est correct, tu sais, puis ça te définit pas nécessairement en tant que personne, c'est juste une partie de toi. C'est ça. C'est comme si allais jouer un jeu... Euh... C'est pas jouer un jeu, c'est pas ma femme, mais tu sais, comme si tu jouais un jeu, puis tu, tu fais des GN, des grandeurs nature, puis tu te fais tabasser, ben t'aimes pas plus ça de te faire tabasser dans la vraie vie, mais tu sais, c'est ça le jeu. C'est que c'est peut-être un, un, un exemple un peu de marde, ben, là mais ça peut fonctionner tu sais tu joues à des jeux où il y a as vu des gars tu c'est du monde pis ça puis tu trip ça c'est comme mais dans la vraie vie tu ferais pas ça là. C'est ça oui. genre jouer au airsoft, là. C'est ça. Jouer à la guerre tu moi jouer au pain de barre, j'adorais ça m'habiller en guerre, puis tuer du monde mais est-ce que si jamais je frapperais quelqu'un tu sais. Ouais ouais je comprends. C'est ça. Fait que je pense que c'est comme juste de se permettre t'sais, que de se permettre ça puis tu sais plus tu te donnes cette liberté la rigidité dans la vie c'est jamais bon là. Fait que de se permettre d'avoir des écarts, tout ça, c'est correct. Mm -hmm. C'est correct, c'est ça qui te turn on. Ben. Puis il y a des études qui ont, qui ont été faites là-dessus, tu sais, comme nos fantasmes viendraient de l'inconscient. Fait que des fois, c'est pour ça que c'est challengeant. C'est comme, est-ce que je me suis fait mettre dans la tête que c'était excitant de se faire dominer? Ça, cest le oh, patriarcat ouais. qui fait ça? T'sais, fait que ça peut vraiment soulever des questionnements, mais comme, je pense que des fois, c'est bon de se questionner, mais de pas toujours overthink, mm -hmm. tu sais, de. De te surmener là, dans des dans tes petites ménages. Ceci dit, quelque chose de très intéressant, on est rendu au numéro 4 du top 5 que je voulais faire. Là. Euh, ça, là, ça, ça, me, ça me fascine. 4 et 5 me fascinent. Okay? Le numéro 4, c'est euh, les uniformes. La tendance mmh. pour les uniformes. C'est-tu des uniformes ou pas? Euh, j'ai jamais été une fille euh, qui remarquait ça nécessairement, mmh. mais euh, j'en avais parlé là, dans, 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 dans des podcasts au début-début. Je fréquentais quelqu'un qui était policier, puis je le trouvais hot dans son uniforme, mais j'ai jamais été comme une fille que je voyais un policier, puis j'étais comme, oh my god, c'est plus comme okay, lui okay. que je trouvais hot dans son uniforme. j'étais là, Chris, tu en train de dire exactement le contraire de ce que tu me disais, mais. C'est qu'avant, tu t'en calissais, mais là, vu que lui était là-dedans, ouais. c'est là que tu as remarqué. Puis je m'en calisse que... toujours. Là, ouais, là, je je ouais. un policier, je suis pas comme. <laughs> mais lui, dans son uniforme, je suis comme. You mais ouais, on a déjà entendu dans. Tu on... on va. Quand on va dans un bar, puis on parle avec les barmaids, puis tout, puis des fois, on se met à parler de policiers, puis ils sont comme. Quand les policiers rentrent ici, ben là. Mais tu comprends pas. Moi, j'avais fait une nuit, ça s'appelle. Euh... Uh, Opération Cobra. Cobra ouais. Puis j'avais fait une nuit euh, avec eux autres, puis on était allés dans un bar à Montréal qui est un, un, un gros bar très connu, euh, la Voûte pour ne pas le nommer. Puis euh, genre ça se garrochait là, ça, ça dansait, ça se frottait ces policiers. J'étais là, ah, on dirait que j ai, j ai, moi j'ai tellement jamais été comme attirée nécessairement par ça que je savais pas que les femmes aimaient à ce point les uniformes, pis j'étais comme... T'as peur, là? Ouais. T'aimes ça, les uniformes? Quel uniforme? Le hockey. Ben non. C'est ça, un uniforme, un joueur de pas hockey? Pas tout. Ben non. Ben. Moi, c'était... Pis ça, là, on, on va leur dire, là, ça, ça fait 15 ans de ça. Non, je sais que ça fait 15 ans, mais ça reste que... Tu sais, on plus a parlé avec la soeur Belzile, elle ouais. a c'est ses joueurs de hockey, mais est-ce qu'un joueur de hockey, c'est un peu comme un uniforme? Non, je... honnêtement, je pense que je l'avais expliqué dans le podcast avec les sabliers. Je pense que dans mon cas, c'était plus comme ça, 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 rendait ça spécial. Mm -hmm. Ça rendait ça spécial, fait que c'était spécial. Là, un joueur d'hockey, etc. Mais j'ai jamais fait comme oh my god des jambières. Jamais. Un jackstrap. Jamais. C est, c est... Okay. Ouais, fait que non, j'ai jamais été une fille d'uniforme. Euh, ben, ben. Pis ça, c'est plus chez les femmes que chez les euh, hommes. Ben, là, écoute ou... ça, OK. Euh, ici, là, les, les, les recherches pour le mot uniforme ont augmenté de 243 dans la dernière année. Hmm. Euh, le, le, le terme qui, qui mène tout ça, c'est militaire, uniforme militaire ou policier euh, ou juste homme en uniforme. Euh, le terme soldat a augmenté euh, les recherches ont augmenté de 332 dans la dernière année avec euh, female soldier donc femme soldat et encore plus que militaire Tabarnak. et euh, on a aussi gay soldier gay soldier qui, 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 qui est recherché énormément euh, on est aussi dans les role play tu sais dans jouer des rôles etc wow. on est dans les amateurs également puis ça, ben, malheureusement, je trouve ça ultra triste, là. Tu sais, on est dans une période euh, difficile, là, présentement, au niveau euh, planétaire, mondial. Il y a, oh. des, il y a des guerres. Mais il y a toujours eu des guerres. Oui, mais là, en ce moment, avec tout ce qui se passe en Ukraine, en Russie, ça a été ultra médiatisé. Ça a été vraiment mmh. comme. Ça a été amené à notre attention. Et je pense que. C'est mon, mon, mon bon, analyse bon. de la situation, là. Je pense qu'on a tellement été comme, exposés à ça dans la dernière année. Que ça pourrait expliquer pourquoi on est comme haut oh, des uniformes. ouais ça fait du sens. Puis on les voit comme plus, peut-être aussi sur TikTok. Tu sais, il y a comme des trends là, sur TikTok, on dirait qu'on les voit plus. On dirait que je sais pas. Les militaires? ouais les ouais, policiers, ouais. Euh, juste ou des fois des, 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 des gardes de sécurité, genre qui vont sur TikTok. Ben, moi, je trouve ça agape sur TikTok, genre on voit des soldats ukrainiens qui sont dans le tranché puis ils mettent des TikTok de ça, mais. J'ai pas envie de voir comment qu'il faut avec les femmes à bien à militaire. Ouais, je sais pas. C'est fucké, hein. Tu... Ben les fantasmes c'est quelque chose qu'on n'est pas nécessairement capable d'expliquer. Ben ça, c'est toutes les tout ce que tu parles, on dirait que c'est ben tout ce que tu parles en même temps les, les vieilles ben, les vieilles personnes puis les, les plus en, en bon point, on dirait que c'est hors de la réalité de bain du monde. Au contraire, je pense que c'est exactement ça la réalité de bain du monde. Ouais on se rapproche bien plus de la réalité là là tu parles des personnes qui sont pas dans les standards de beauté je veux dire il y en a plus que des filles chaudes ben c'est je veux les ces standards de beauté sont souvent irréalistes là. ouais 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 tu sais? euh, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ont des troubles alimentaires puis c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes d'estime de soi puis de confiance en soi etc., tu sais? fait que, au contraire moi je trouve que ça se rapproche bien plus de la réalité là ben, ouais mais parce que là il y avait han taille puis militaire puis tout ça là. fait que je comme en Thaï, toutefois, on est... C'est ça. Puis militaire aussi, là. C'est pas un gros pourcentage de la population qui est en uniforme. Là. Au Canada, c'est 1%. Ils sont 90 000, on est 30 000. C'est même pas... des poussières. Les policiers, c'est des poussières aussi. Mais oh, non, je comprends. OK, top 5. Peut-être que c'est ça qui rend ça spécial aussi. Oui, c'est ça. T'sais, ils sont très peu. Sont... Fait qu'on voit pas ça souvent. C'est comme attirant, etc. <coughs> Au niveau du numéro 5... <coughs> Pardon. On est dans le sexual healing. La respiration, ça healing? Healing, c'est la guérison. Guérison. La ouais. guérison sexuelle. C'est Brett. Ouais. Alors le mot thérapie, eh. ouais, le mot thérapie a augmenté de 344 euh, au Canada. Ça c'est au niveau mondial. Pour Canada, c'est de 566 et euh, même en Australie, c'est 541 -ce que Je vais aller voir ça, ça m'intrigue. Les gens veulent voir euh, les massages thérapeutiques. Ils veulent voir du sexe thérapeutique. Euh, ils veulent voir euh, des, euh, des entraîneurs personnels. Ils veulent voir des euh, sex-therapists. Dans le fond, des sexologues puis des, des gens qui, qui font du coaching euh, sexuel. Le problème avec ça, ben, c'est comme un double tranchant. Autant que qu'on est dans un ère où on démocratise la sexualité et qu'il y a de plus en plus d'éducation sexuelle qui se fait. Ça, c'est beau, il y a une ouverture sur pas juste du gang-bang, Puis la guérison aussi, t'sais, ouais. des gens qui ont vécu des traumas, etc. T'sais. Sauf que le double tranchant, c'est de pas se mettre à fantasmer sur les thérapeutes. Parce que là, il y, y a un, y a un hmm. concept en thérapie qui s'appelle le transfert contre-transfert c'est que tu projettes tes sentiments sur ton ou ta thérapeute. Oui. Puis là c'est comme on est en train de fantasmer sur de l'interdit. Ouais ouais ouais. On est en train de fantasmer sur donc. Comme là lui lui il a la, lui il a la, la réponse lui il va me guérir lui c'est pour ça que tu fantasmes sur quelque chose que l'homme normal n'aurait pas nécessairement mais je pense qu'il y a aussi des thérapeutes qui sont dans un peu ce, ce contrôle là. Qu'est-ce que ça veut dire? En voulant dire que je pense pas que ce soit tous les thérapeutes qui soient euh, de bonnes... Euh, ah, qui a des bonnes intentions? Des bonnes intentions. Ah, ben là... Euh... Parce que j'ai j'osais avec quelqu'un, justement, que le gars, il fait... Peu importe, je nommerai pas les noms, là, mais comme... Il est dans ça, comme... Il fait du développement personnel, puis tout, mais quand t'écoutes, genre, les... les, 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 les... Les commentaires du monde qui sont allés, ils sont guéris, mais c'est grâce à lui. Tout est grâce ah à ben lui. Ah, mais non, mais ça, c'est... Est, là, là, ça, tu, oh, tu parles d'une affaire complètement différente. Je pense qu'il faut faire la... la, la excusez, j'ai quoi dans Il faut, faut faire la distinction parce qu'il y a beaucoup de coachs avec les l'ère les, 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 numérique. Il y a beaucoup de gens qui prétendent être coach puis qui prétendent, prétendent faut te guérir. Il euh, y a des gens qui sont charlatans, qui sont extrêmement dangereux, puis il faut faire la distinction entre les gens qui sont comme ça, qui ont des mauvaises intentions... Puis des gens qui sont formés, qui ont une, une, une formation légitime. Ah. Oui, faut faire attention. Ouais. Yeah. Fait que bref, euh, voilà pour le top 5 euh, des tendances qui ont vraiment marqué l'année euh, Pornhub. Euh, après ça, il y a tout euh, c'est vraiment là, c'est vraiment détaillé. Si je vois. Euh, Mettons euh, le, le temps par visite. C'est aux Philippines que qui, 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 qui les gens restent le plus longtemps sur la plateforme avec 11 minutes 15 secondes. Euh, nous autres, on est euh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On est, on, on est 11, si je ne me trompe pas. Euh, le, le Canadien moyen va rester 10 minutes 1 seconde sur la plateforme. Puis le moins, c'est qui? Le moins, c'est euh, au Mexique, avec, euh, ben dans le, le, le tableau qu'ils ont mis là, ici, là, avec 9 minutes 24 secondes. OK. qu'un Mexicain, ça vient plus vite qu'un Peut-être. Peut-être. Ou ils vont si dire qu'au but. Une bonne ride, c'est qu'un Philippin, Philippinoise. Exact. Hum. Eux autres passent plus de temps là-dessus. <laughs> fait que... Euh, puis encore une fois, les, les, les catégories qui ont été vraiment le plus vues, lesbiennes... Euh, il y a Japanese, japonais, il y a Ebony, Anal, Milf, transgenre. Ils disent que les baby boomers euh, consomment de plus en plus de contenu euh, transgenre. Il y a des études qui ont oh, été faites là-dessus. Oui. Ouais. Transgenre, c'est. Bien, c'est pas un mot qu'on utilise vraiment maintenant, le transgenre. Je voudrais être bien franche avec toi. C'est-tu comme, mettons, les tailles, c'est des femmes avec des battes ou vraiment ceux qui ont eu la transformation la, la transition, transition. Euh, ça j'ai pas la réponse pour toi euh, je, je sais pas je sais pas est-ce que ça inclut c'est un c'est un terme parapluie pour inclure des gens qui ont eu des transitions est-ce que ça inclut des gens qui ont les deux sexes est-ce que ça inclut je j'aurais pas cette réponse là pour toi mais c'est peut-être un terme parapluie pour tout ça aussi ok oh, c'est intéressant fait que je te dirais que euh, c'est vraiment euh, intéressant de regarder ces rapports-là, tu sais, puis euh, les gens, euh, tu sais, la porno, je veux dire, c'est tellement accessible. Si je te disais, mettons, euh, sur Pornhub, le, le, le nombre de, il y a beaucoup, beaucoup de vidéos, combien de temps dans ta vie tu penses que tu passerais, si tu voulais regarder tout qu ce qu'il y a sur la plateforme Pornhub Combien de temps tu penses que tu mettrais pour toute, 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 tout, toute catégorie confondues, toute, toute Combien de temps tu penses que tu mettrais Chris, plusieurs vies. Ça serait 115 ans. Tabarnak. il y a 115 ans de matériel. Il y a 115 ans de matériel. Puis ça arrête jamais là, tu sais, en poste à tous les jours, calice. Il y a du stock à se crosser. Mais est-ce que, est ce que le monde, y a-t-il une stats qui disent que le monde retourne souvent sur les mêmes vidéos ah, J'en ai, ai pas vu. Okay. Mais souvent, les gens ils vont aller dans les mêmes catégories. C'est probablement ouais, ouais. ce qui explique la, la montée de, de certaines catégories. Ouais, ok. Ouais. Un coup que tu l'as consommé, tu le vois. Tu vois, ça, tu m'ouvres une porte parce il euh, y a beaucoup de gens qui pensent que. Bon, la, premièrement, je pense qu'il faut le dire la pornographie a des, des effets très néfastes pour ton cerveau. C'est le, euh, le seul produit pour adultes qui est pas vraiment contrôlé. T'sais pour à, retirer de l'alcool, il faut que tu aies 18 ans au Canada, 21 ans aux États-Unis. Euh, pour aller jouer au casino, il faut que tu aies 18 ans ou, ou 21 ans aux États-Unis. Tu ne peux, peux pas jouer. T'sais, faut que tu authentif Tu peux à l'ange que tu veux. Tu as juste à cliquer oui, j'ai 18 ans. Il n'y a personne qui check ça. Là. Non, non. C'est euh, 34% des usagers qui tombent euh, sans le vouloir sur des, euh, sur des sites à cause des pop-ups, des publicités, des sites des tu sais Je veux dire, tu es exposé malgré toi. Là. Ben oui, oui. Euh, à 15 ans, c'est 11 des jeunes qui regardent et consomment de la pornographie à tous les jours. C'est vraiment énorme. Ça perturbe la réalité, c'est inexpliquant, ça. Fait qu'il y a beaucoup de jeunes qui vont avoir vu des scénarios euh, violents, euh, des scénarios euh, pas possibles euh, avant même d'avoir eu leur premier baiser, mmh. avant même d'avoir eu leur première relation sexuelle. Puis ça, c'est fucking dangereux, là. Moi, j'ai consommé de la porno avant d'avoir... Euh, je crois. Ouais. Tu t'attends à mieux que ça, mettons. C'est ça. Fait que c'est vraiment ça qu'ils disent. C'est que les études rapportent que là, les jeunes, ils arrivent dans leur premier rapport sexuel, sont déçus. Tu sais, je veux dire, quand t'es dans un rapport sexuel, ça peut être maladroit. T'es pogné dans ton chandail. Tu sais, dans porno, tu skips tout ce qui peut avoir de maladroit. Tout est parfait, du montage. Voilà. Fait que la fille, elle va peut-être crier moins que celle que tu voyais dans tes films pornographiques. C'est sûr, c'est prouvé que les jeunes filles, euh, ça normalise la violence. Fait que les jeunes filles s'attendent à avoir des scénarios un peu plus violents. Euh, c'est comme normal. Ça a normalisé aussi certaines pratiques comme le sexe anal, davantage. Les jeunes filles sont comme Ah, oh, ça fait partie de la sexualité normale. Ça en fait partie. C'est une pratique qui en fait partie. Sauf que c'est plus pratiqué maintenant parce mm -hmm. qu'on est plus exposé à ça. Fait que plus t'es exposé, c'est un concept de neurone miroir qui appelle. Donc, si tu vois ce comportement-là souvent, tout le temps répété, ben, tes neurones vont, vont enregistrer ces comportements-là, puis tu, tu, tu vas te mettre, toi aussi, à avoir ces comportements-là. On est des êtres qui apprennent par imitation. Oui, 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 oui. Ça, c'est vrai. Fait que ça peut être super dangereux. Puis, non seulement ça, au niveau du cerveau, c'est que euh, pourquoi ça devrait être 21 ans avant de. faudrait l'éviter à tout prix avant l'âge de 18-21 ans. Tabarnak! Ben, là, Donc, moi, Mais c'est impossible, entre toi et moi. Mais il faudrait. Pourquoi? Parce que ça vient affecter ton cortex frontal. Euh, ton cortex, ton cerveau, il n'a pas fini de se développer avant l'âge de 21 ans. C'est pour ça qu'ils mettent les produits pour adultes à 21 ans. Mmh. Ce que ça fait, c'est que ça vient vraiment modifier ton cerveau. Ça vient affecter ta réponse sexuelle. Donc, tu sais, il y a beaucoup, beaucoup de problèmes d'érection depuis la pornographie, des troubles de l'orgasme également, pas capable d'avoir des orgasmes. Euh, ça vient vraiment t'affecter. Ce qui arrive, c'est que ça te conditionne. Euh, fait mettons, que toi là, tu regardes la pornographie toujours assis dans ce fauteuil là, OK, toujours, puis que tu regardes, tu tout le temps tes souliers, tu, sais, tu fais juste baisser tes pantalons puis tu, tu te masturbes en regardant de la porno. Sans le savoir, tu peux développer des associations. On fonctionne beaucoup beaucoup par association. docteur Joanny G, a une trousse là avec c'est euh, vraiment une routine que tu dois suivre si tu veux comme éventuellement en arriver à avoir des orgasmes, une satisfaction sexuelle, c'est parce que le corps fait des associations. Okay. Donc, si tu te masturbes toujours dans ce divan-là, avec tes souliers, puis tu, quand tu regardes vers le bas, sans le savoir, ça se peut que tu enregistres que ça te prenne maintenant tes souliers pour avoir des orgasmes. Spoil. Puis qu'à la vue À la simple vue de ce divan-là, maintenant, tu sois excité. Mais que tu n'as pas nécessairement envie d'en consommer de la pornographie, mais ton Ni corps tellement divan, associé, est tellement associé. C'est que. Tu as tellement associé le divan à ça que là, à chaque fois, quand tu vois le divan. Que Quelqu'un qui ferait ça après avoir pris sa douche, mettons, pourrait à chaque fois, après avoir pris sa douche, ah, faut il faut qu'il regarde la porn. » Ça te crée une addiction parce mmh. qu'il y a une association qui se fait et qui est très, très puissante dans ton, dans ton corps. Fait que ça peut être extrêmement néfaste. Ben oui. euh, C'est prouvé que les hommes qui ont, qui ont consommé de la pornographie, mettons, dans les, 20, dans les dernières 24 heures, vont avoir une plus faible, rapportent avoir une plus faible estime de soi, rapporte se voir plus négativement. Euh, Rapporte à avoir une moins bonne satisfaction sexuelle. Ouais. Fait que ça vient vraiment altérer, ton, ça, 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 ça vient altérer ta prise de décision. Parce que c'est par association, parce que tu as des neurones miroirs qui se sont comme développés. Fait que ça peut être fucking néfaste pour toi, la pornographie. Fait il faut vraiment y aller avec parcimonie, avec diligence, en sachant que ça peut nous affecter tant dans notre psychologie que dans notre physiologie. Et, euh, mais je veux quand même mettre un bémol euh, c'est comme pour n'importe quelle autre addiction c'est pas tout le monde qui va avoir ces effets là et c'est 30 à 40 des gens qui ont besoin que ça augmente en intensité OK tout le temps ouais, c'est pas ouais. tout le monde non plus qui a besoin bon. que ça augmente en intensité oh, c'est intéressant aïe, aïe c'est fokee fac puis quand t es, t es dans des scénarios pornographiques, quand t'arrives dans la vraie vie, après ça, ça devient plus difficile d'avoir un rapport sexuel qui est satisfaisant. Fait qu'il faut vraiment faire attention avec ça. C'est pour ça que les jeunes qui arrivent dans leur premier rapport font comme... C'est pas ça. Puis imagine si, si en plus, ils se crossent sur du hantai. Hey, ça doit être fucky, ça. T'es dans es dans distorsion cognitive à fond la 15. Ouais, ouais. C'est comme, c'est pas ça, pas tout, alors que tu penses que c'est ça. Ben, ça fait 3, 4, tu sais... Mettons qu'ils commencent à se toucher à 11... La pre les premières relations, c'était à 17 que tu disais. Oui, c'est à 6 bien. ans là, que tu déformes la réalité. Oui. C'est fucked up. Oui, oui. Puis tu sais, ton cerveau, il est en plein développement. Ouais. Fait que là, ça le modulé ton cerveau. Ça, ça, ils disent qu'il y a plus d'impulsivité, il y a plus de violence, il y a plus de. Ton jugement, il est altéré. Tu prends des mauvaises décisions. Fait que c'est full néfaste, puis de plus en plus d'études qui sortent là-dessus. Puis, tu sais, je ne suis pas là pour diaboliser, démoniser là, la, la pornographie. Je pense qu'il y a des bons côtés. C'est une façon de vivre des, certains fantasmes que tu vivrais peut-être pas dans la réalité. Puis, mm -hmm. ça, ça peut normaliser certaines pratiques, etc. Mais il faut vraiment, vraiment être conscient des effets que ça peut avoir sur nous. Tu sais, moi, j'ai déjà eu des clientes en consultation qui étaient incapables d'avoir un orgasme si ce n'était pas en, qu en, qu en regardant de la pornographie. Okay. qu'il faut... C'est réversible, les effets, c'est pas comme quelqu'un qui prend de la drogue puis que ça a des effets comme permanents sur le cerveau. C'est réversible mais il faut, faut faut se donner du temps. Ouais ouais ouais. Puis euh, c'est comme ça vient atrophier tout ton imaginaire érotique. OK. Fait que il faut comme que tu arrêtes d'en regarder puis que tu te donnes une coupe de semaines, une coupe de mois, voire peut-être une coupe d'année avant que ton imaginaire érotique devienne Parf. fertile. C'est beau. Bon. Ouais. Vraiment intéressant. J'aimerais ça que vous me disiez dans le chat, vous autres, c'est quoi vos consommations au niveau euh, contenu, mais aussi au niveau temps avec ce qu'on a dit. Je trouverais ça intéressant. Euh... On a fait le tour pas mal. On a fait. Euh, J'ai parlé beaucoup. J'ai ouais. pas fermé ma gueule. Fait que. Euh, on Classique. a quand même fait le tour. On va pouvoir en rediscuter. On aimerait ça parler de ce sujet-là, mais avec des invités. On va vous faire un podcast sûrement là-dessus. Euh dans une coupe de semaines. Merci d'avoir été là en si grand nombre. Merci de nous encourager à chaque semaine sur Patreon. Si vous avez des idées de contenu, des idées de, 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 de podcasts d'invités pour Patreon, laissez-nous en savoir dans le chat. Merci d'avoir été là. Anne-Ma, mot de la fin. Merci. Euh, la porn, c'est avec parcimonie. Mais on aime ça. Ciao